Bien, chers amis, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui une fois de plus, me voici devant vous. Dans le but de pouvoir préenregistrer cette vidéo et de demander à M. Guillaume Guibafori Soro et à ses partisans rebelles comme lui de nous éclaircir, de nous éclairer sur la situation que je vais analyser. Alors, les gens nous emmerdent, les gens ont tendance à nous fatiguer les oreilles, comme quoi M. Guillaume Guibafori Soro aurait demandé pardon. On est d'accord? On nous dit que Guillaume Guibafori Soro a demandé pardon. Nous, on aimerait maintenant savoir ce qui a été dit hier, ce qui s'est passé hier, ce pour lequel ou ce pourquoi ils ont eu à décimer le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce qu'on ne demande pas pardon dans le vide. Et c'est ce que j'ai reproché à Dame Simone Gbagbiche, qui est partie demander pardon aux gens à Boaké, où la rébellion a été formatée, formée, où Guillaume Guibafori Soro lui-même avait sa base. Et nous avons dit qu'on ne demande pas pardon dans le vide. Le pardon a des... Il y a des règles dans le but de, dans le fait de demander pardon. On va écouter ici Guillaume Soro, qui s'exprimait juste quelques minutes après l'arrestation de M. Koudou Laurent Gbagbo, le président de Côte d'Ivoire et l'ancien chef de l'État. Écoutons Guillaume Soro, chers camarades. Ouattara, merci d'être avec nous sur notre antenne. Monsieur Soro, livrez-nous votre réaction donc à cette arrestation de Laurent Gbagbo. Où est-il actuellement? Disons d'abord que c'est dommage puisque monsieur Laurent Gbagbo est perdu autant de temps à la Côte d'Ivoire parce que après la brillante élection que les Ivoiriens ont organisée en novembre 2010. Brillante élection. En plus, c'est dommage qu'il y ait eu autant de morts, de tueries, de gâchis. J'ai un vrai sentiment de gâchis aujourd'hui, alors que justement les forces républicaines de Côte d'Ivoire viennent de mettre aux arrêts M. Gbagbo et son épouse. Alors ce sont vos troupes, vos forces qui ont arrêté Laurent Gbagbo, vous me le confirmez? Vous voyez le mensonge? Ici, il y a déjà deux ou trois mensonges. Chers petits frères, chers petites sœurs, vous qui avez 18 ans, 20 ans actuellement, vous étiez encore très petit lorsque ces événements se déroulaient en 2010. Puisque lorsqu'on enlève 10 ans dans 18 ans, vous aviez 8 ans. Hein? Ceux qui ont 20 ans, qu'on enlève 10 ans, vous aviez 10 ans, vous étiez très petit. Ici, Guillaume Guibafori Soro parlait quelques secondes ou quelques minutes juste après l'arrestation de notre président, son Excellence Gbagbo Laurent, qui a été arrêté le 11 avril 2011. Chers camarades, là maintenant, le mensonge, le premier mensonge international, après avoir menti au sein du peuple de Côte d'Ivoire, au niveau national, en affirmant des propos comme quoi Gbagbo n'aime pas les gens du Nord. Ce qui était mensonge, ça se voit aujourd'hui. Gbagbo, qui était musulman, n'a pas cassé les mosquées, n'a pas augmenté le prix des pèlerinages. Mais Draman qui dit qu'il est du Nord, et les Soro qui ont dit qu'ils sont du Nord, c'est, même Soro était encore présent dans l'Assemblée nationale lorsqu'ils ont commencé à casser les maisons des Ivoiriens, mettre les gens dans les rues. Mais quand vous prenez les quartiers précaires, c'est les Djoulas qui dominent. Les Djoulas dominent dans tout en Côte d'Ivoire. Parmi les riches, il y a beaucoup de Djoulas. Parmi les pauvres, là même on n'en parle pas. Les Djoulaboukou, justement on dit Djoulaboukou. En réalité, les Djoulaboukou, c'est les coins pauvres où les gens vont s'engouffrer. Mais c'est les Djoulas qui sont remplis là-bas. Quand tu prends quartier Doukouré, où je vivais avant, il y a plein de Djoulas parmi nous là-bas, plein même comme ça. Tous les quartiers précaires d'Abidjan et de Côte d'Ivoire sont dominés par les Djoulas. Le transport dominé par les Djoulas. Le commerce dominé par les Djoulas. Toutes les couches sociales sont dominées par les Djoulas. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas cassé les maisons, n'a pas cassé les mosquées, n'a pas cassé les églises. Mais sous Draman, il y a eu des choses, des églises, des choses qui ont été cassées. Donc ça a été un premier mensonge national. Cette vidéo sera longue. Je suis vraiment désolé, mais elle sera longue. Parce qu'il faut qu'on revienne. Parce qu'on ne peut pas laisser. On ne peut pas. C'est pas une histoire qu'on peut laisser comme ça du revers de la main.
Si c'est 10 personnes, ou même à la rigueur 100 personnes, on peut même pas laisser comme ça. Mais on n'allait pas trop insister comme ça. Par exemple, regardez en Guinée. Le procès a fait plus de 2 ans. Ça fait presque 2 ans. Ça a commencé depuis 2022 ou 2021 même. Si je ne me trompe pas. Hein. Mais le procès a vraiment duré. Depuis l'année dernière, le procès avait déjà commencé. En Guinée. Jusqu'à présent, hein, il a ramené ça maintenant. Je pense que c'est au 3 novembre. Au 3, quoi là même, non. Oui, au 3 novembre, un truc de ce genre. Pour maintenant entendre maintenant les témoins. Donc, ils ont fini avec les accusés. Ça a pris des mois, plus de 7 mois. Ils ont fini avec les victimes. Ça a pris au moins plus de 6 mois encore. Ils vont maintenant faire avec les témoins. Après, maintenant, ils vont faire... procès là, ça va durer. Encore de combien? 159 personnes qui ont été tuées dans un stade. Et on vous parle, chez nous comme chez nous, en une seule journée, à Guitrozon, à l'ouest, Djoko et Guitrozon, tout le pleu, Bleu-le-Quin, ce coin-là a été rasé par les hommes de Guillaume Soro. Ils ont tiré sur tout. On ne peut pas dire certains mots. Sinon, j'allais utiliser le mot qui commence par GE, accent aigu. Ils ont fait GE, accent aigu sur le peuple. Ouais. Même les chiens, les femmes, les vieux, les vieilles n'ont pas échappé. Ça, c'était le mensonge national. Maintenant, écoutez maintenant le mensonge international. La femme, parce qu'ils se sont entendus. Donc, la femme, elle vient maintenant pour défendre la France. C'est une Française. La France, c'est une vidéo. Le problème, on dit que non, on ne sait jamais. Voilà ça ici, c'est France 24. Voilà. Mais pour des problèmes de choses, je ne vais pas montrer la vidéo. On va écouter. Sinon, c'est une vidéo. Je suis sur YouTube là. Et ça, vous pouvez le trouver. Le titre, c'est Côte d'Ivoire, 2 points. Guillaume Soro s'exprime suite à l'arrestation de Gbagbo. Point. Si vous tapez ça, vous allez tomber sur cette même vidéo. Je suis sur France 24. La vidéo fait 160 000 vues en 12 ans. Bon, ici, on me dit que ça fait 12 ans que ça est en ligne. 12 ans. Et c'est pratiquement ça, puisqu'on était en 2011. Donc, 11 plus 12, ça fait 11. 12 ans, non? Donc, si on est en 2011, si tu fais 12 ans dessus, 2011, tu mets 12 dessus, ça fait 2023. On est vraiment en 2023. Donc 12 ans en arrière, voici le propos qu'il tenait. Il était en train de blanchir tout Babou. Entre temps, Babou lui-même, on va écouter Babou lui-même qui va impliquer tout Babou. Et Babou l'a impliqué à la CPI, Babou l'a impliqué ici dans l'appel. Ça dit quelques minutes après qu'on l'attrape. Et là on écoute Guillaume Soro quelques minutes. Non, Babou a parlé quelques minutes avant qu'on l'attrape. Et là, on entend écouter Guillaume Soro quelques minutes après qu'on l'ait attrapé. Le même 11 là. C'est très important, chers camarades. Donc, on va écouter le mensonge. Il va blanchir tout Babou. Attends, nous savons. Il y a même des vidéos où on voit les hélicoptères de Babou en train de bombarder le palais présidentiel. Les vidéos sont là. J'ai tout dans mon disque dur. J'ai tout téléchargé. Et c'est encore sur YouTube. Donc quand il dit qu'il demande pardon, qu'il vient nous dire que ce que j'ai dit là c'est faux, tout Babou nous a vraiment bombardé, voici ce qui s'est passé. Tant qu'il n'a pas dit ça, pardon qu'il dit, il demande et il n'aura pas ça. Et vous le savez très bien, même vous les cyberactivistes RDR, non pardon, groupement des sanguinaires, comment on dit ça, GPS non, groupement des sanguinaires, groupement des personnes sanguinaires, groupement des personnes sanguinaires, GPS. Vous, les militants de GPS, vous, les partisans de GPS, vous, les... Désolé, j'ai bu le Malta. La Malta, quand je bois... voilà, Malta. Bon, ici, on dit Malte. Voilà, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. Mais ici, nous, on boit ça toujours. Malta Guinness. Voilà. Donc, quand je bois, là, ça me... Voilà. Donc, désolé. À vous, les cyberactivistes, je vois plein qui font des vidéos qui m'insultent. Je ne vais jamais vous répondre. Moi, je n'ai pas affaire à vous. La plupart d'entre vous, vous êtes illettrés. Moi, j'ai affaire à Guillaume Soro, qui est universitaire comme moi. Voilà, avant de venir parler avec les gens là, allez-y à l'université aussi. Vous êtes là, vous faites vidéo dans les véhicules. Vous êtes là, vous parlez français mélangé, Djoula, vous fatiguez les gens. C'est tout le monde qui comprend Djoula. Je ne suis pas en train de tirer sur tous mes frères Djoula. On met tous mes frères, oui, Djoula, on met Malinké. Mais des gens qui ne peuvent même pas s'arrêter devant les gens, c'est eux qui veulent répondre aux gens. Moi, il est venu faire vidéo pour dire, hey, je réponds à Mira Blendé, je réponds à Soule de Tia. Je n'ai pas votre temps. Hein. Moi, j'ai un problème avec votre patron. Sinon, vous êtes des arrivistes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais vous dire à vous, là. Parce que j'ai fait 2-3 sorties sur lui. J'ai vu des gens qui ont fait plein de vidéos. Je n'ai même pas calculé. Moi, je ne calcule pas. J'ai dit,
Quand on dit on demande pardon, on doit dire ce qu'on a fait et puis on demande pardon. Tant qu'on ne dit pas ça, on ne peut pas s'en sortir. Alors voilà ce que Guillaume Soro disait. Je vous confirme que ce sont bel et bien les forces républicaines du Côte d'Ivoire qui non seulement ont pu pénétrer dans la résidence de M. Gbagbo, mais sont allés le chercher dans son bunker. Et les forces françaises, voilà, écoutez, n'ont pas pénétré dans la résidence. Les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence de M. Laurent Gbagbo. Voilà, écoutez maintenant ici, Gbagbo lui-même, Gbagbo va parler. Écoutez très bien. Fidèle. Écoutez. Les armées, cette institution qui va dans la forme de rentrer en guerre contre nous, nos armées. Non, on va écouter. Attendez, on va écouter du début même. Du début. Ici, c'est comme un audio, hein. C'est un audio, ça est sur YouTube aussi. Mais ils ont mis l'image de Koudou. Écoutez. D'avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir? Oh, un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que les négociations avancent? Ah, vous allez un peu trop vite en besogne. Ah. Je vais vous décrire ce qui s'est passé. La semaine dernière, oui. Les forces de Ouattara, que nous appelons ici les rebelles, mais bon, vous n'êtes pas obligé de partager notre terminologie, ont pris beaucoup de villes en Côte d'Ivoire et sont rentrés à Abidjan. Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait nous avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan, et donc ça faisait apprendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays, hier, lundi, la France a obtenu des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale de Côte d'Ivoire d'Abidjan. Allô? Allô? Voilà. Et quand le journaliste, il est là, hein? Il est là, il va répondre tout à l'heure. Il est là, mais quand le monsieur a commencé à parler de la France, le journaliste ne parlait plus. Jusqu'à le président dit, allô, 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 et puis il va dire, oui, je suis là, je suis là, et puis il va continuer. Parce que c'est la vérité que les gens voulaient voiler. Et ici, c'est LCI qui a pu joindre le président Gbagbo Laurent. L'autre côté, c'était France 24 qui parlait toujours avec Guillaume Soro. Donc vous voyez les deux versions. Donc quand on vient gaillardement pour dire je vous offre mon pardon, j'offre mon pardon à Dramane Ouattara, j'offre mon pardon à Kona Bédié et même à Gbagbo, j'offre mon pardon. C'est ce qu'il a dit. Il a dit même à Gbagbo, lui offre son pardon. Tu offres quel pardon? Tu as menti à l'opinion nationale et internationale. N'eût été l'armée française, là, vos rebelles n'allaient pas pénétrer dans la maison de M. Gbagbo Laurent. Ce n'est pas possible. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et Koudou Laurent Gbagbo l'a dit à la CPI. Il a dit à la CPI. Il dit c'est l'armée française qui a fait le travail et elle m'a remise dans les mains des rebelles. Tout à l'heure, il a dit. Ils disent, nous, les forces de Ouattara, on les appelle les rebelles. Mais vous n'êtes pas obligés d'utiliser nos terminologies. Donc, voici le vrai problème, Guillaume Soro. Et vous, les partisans des personnes sanguinaires, groupement des personnes sanguinaires, c'est à vous que je m'adresse. Avant de vouloir venir faire politique là, avant de vouloir vous faire les intéressants avec votre rebelle condamné à perpétuité là, dites-lui de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui qui disait aux autres que les autres fuyaient la justice. Lui, il fait quoi et puis pourquoi il rase les murs? Pourquoi Guillaume Soro rase les murs? Dites à Guillaume Soro de rentrer à Abidjan. Donc, qu'ils nous disent quelle est la vérité parce qu'il y a deux versions. Lui, le chef rebelle, il dit la France n'a pas touché la résidence de Gbagbo Laurent. La France n'a rien bombardé. Gbagbo dit la France a bombardé. C'est pas fini. Écoutez Gbagbo Laurent. Oui, oui, je vous écoute, monsieur le président. Oui. Est-ce que vous pensez que la France a outrepassé le mandat que lui donnait la résolution de l'ONU? Ah ben, écoutez, moi je ne connais pas de résolution de l'ONU où cette institution demande à la France de rentrer en guerre contre nous. Bien sûr. Or, hier, lundi, la France est rentrée directement en guerre contre nous. Avant cela, elle était en guerre contre nous, mais de façon indirecte. Elle transportait les troupes rebelles d'un point à un autre, elle les armait, elle leur donnait des munitions,
Mais hier, c'était vraiment la fois, la seule fois où la France est rentrée directement en guerre. Donc, quand on dit on demande pardon, on doit réellement demander pardon. On doit dire au peuple de Côte d'Ivoire, en réalité, quand je disais que la France n'a rien fait, c'était faux. C'est la France qui a fait le travail. Et nos hommes ont simplement pénétré la résidence pour le prendre. C'est ça qui est un bon pardon. C'est pourquoi un jour j'ai fait un direct sur ma page Facebook et sur les deux plateformes d'ailleurs, et j'ai dit aux gens que les gens qui disent que non, tu dis que tu es homme de Dieu, tu dis que tu es chrétien, mais ce que la Bible dit du pardon, vous ne connaissez pas. C'est ça le vrai problème. La Bible dit Dieu ne pardonne pas à tout le monde. Hein. Il pardonne à ceux qui font sa volonté. C'est écrit dans Jean. Dieu n'accorde pas son pardon à tout le monde. Il accorde son pardon à ceux qui font sa volonté. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut concernant le péché ou concernant le pardon? La Bible dit, c'est lui qui reconnaît, qui avoue et qui délaisse cette transgression, ses péchés, cette personne obtient miséricorde. Donc, quand Guillaume Soro, vous qui parlez affaire des chrétiens, lui, il dit les chrétiens, non? D'après lui, il dit les chrétiens. Qu'il reconnaisse au moins ce qu'il a fait. Parce que voilà deux versions. Babo dit que c'est la France qui m'a bombardé pendant que j'y étais au palais présidentiel. Et Guillaume Soro dit que la France n'a rien fait. Vous l'avez écouté ici, on va le réécouter. Écoutez très bien Guillaume Soro. Écoutez encore. Et les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence. Les forces françaises n'ont pas pénétré dans la résidence de M. Laurent Gbagbo. Où est-ce qu'il se trouve Laurent Gbagbo actuellement? Alors, évidemment, de sécurité, je ne peux pas vous dire où M. Gbagbo est pas gardé en sûreté, mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Gbagbo et son épouse sont, bien entendu, vivants et en bonne santé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la suite? Voilà. On fait leur travail, continueront de faire leur travail, à savoir sécuriser la ville d'Abidjan. Il revient aux institutions appropriées de l'État de Côte d'Ivoire de donner suite à cette affaire. Ce soir, vous contrôlez Abidjan ou est-ce qu'il y a toujours des poches de résistance de la part des partisans de Laurent Gbagbo? D'ailleurs, je lance Et même la blanche, souvent elle dit des vérités. Quand c'est l'autre côté, elle dit les forces, elle dit vos forces, et pas des rebelles. Mais quand c'est l'autre côté, elle dit les partisans de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez remarqué? Elle dit les partisans, parce que c'était le pro-Gbagbo qu'on appelait les jeunes patriotes, la galaxie patriotique dirigée par Blaise Goudé. Ce maudit de Blaise Goudé là, c'est lui qui dirigeait cette galaxie là. Et les gens, Yves Digbepio, qui est décédé même aujourd'hui, tous ceux-là, c'est eux qui dirigeaient. On était simplement en train de défendre notre parti, notre patrie. Ils étaient en train de défendre notre patrie. Puisque moi, j'étais encore très jeune, on ne m'a pas laissé sortir. On ne pouvait pas me laisser sortir, j'étais trop petit. Pas trop petit, mais j'étais très jeune. Très jeune pour dire que je vais aller prendre Kalash ou bien faire quelque chose. Vous voyez? C'est pourquoi maintenant, où j'ai grandi un peu, je veux des réponses aux questions. Parce que, et ça je l'ai dit, que tous ceux qui pensent que un jour je vais venir pour dire à faire les Guillaume Soro là, c'est passé, je vous ai entendu, on aura passé à autre chose. Il est mieux de quitter ma page ou de quitter mon YouTube. Parce que de la même manière que vous, cette vidéo vous a surpris, c'est comme ça, il y a des directs qui vont vous surprendre. Il y a des vidéos qui vont vous surprendre de ma part en demandant les comptes à ce rebelle qui est Guillaume Soro, ce chef rebelle Guillaume Soro. Il est très méchant. Ce monsieur est un sanguinaire, je vous dis la vérité. Et l'Afrique n'a pas besoin de personnalités comme ce type-là, des monstres cachés comme ce type-là. Il y a un monsieur qui est dérangé ici, il a tué 22 personnes à Maine ou même quoi là, un état d'Amérique là. Il est recherché activement 22 personnes. Dans une population de plus de 350 millions. Et celui-ci, là, ils ont tué des milliers de personnes dans une population de quelques millions de personnes.
Et à cet endroit, on était 20 millions, mais combien de millions? Et c'est là que vous allez venir me dire, non, c'est du passé, on n'a qu'à le laisser. Mais et les gens qui l'ont tué, là, ça fait 3 jours, non, c'est du passé aussi, ils n'ont qu'à le laisser. C'est pourquoi en Afrique, nous ne voluons pas. Parce que nous avons, vous avez, les gens, vous, la plupart des Africains, mais certains Africains, ont une manière de réfléchir, vraiment, c'est pas... Je ne sais pas. Souvent, je vois des mamans. Je vais sur le profil pour regarder les gens qui font des commentaires. Je vois des femmes au foyer qui ont poussé enfants. Hein. Ils ont tué des enfants des gens. Comme elle est en Suisse, comme elle est en Angleterre, comme elle est quelque part. C'est eux qui viennent nous faire la morale. Parce qu'ils n'ont pas tué son enfant. Vous pensez vraiment... Vous, à vous les partisans, les amoureux de ce rebelle-là, vous pensez vraiment que cette histoire-là va rester comme ça? Mais qui vous a blagué même? Toujours je pose la question. Qui vous trompe même? Vous pensez que Daman n'est plus au pouvoir? Un Ivoirien est au pouvoir. Imaginez-vous, Herman, le patriote est au pouvoir. Même Koudou Gbagbo est au pouvoir. Même Damana Picasso est au pouvoir. Même le professeur Takou Gikawe, n'importe qui viendra au pouvoir, Soro sera poursuivi. Vous le savez très bien. Le pouvoir que vous voyez là, la seule personne qui est au pouvoir, puis Soro rase les murs là, c'est Dramane Ouattara. Le jour que quelqu'un d'autre vient, on va le blaguer. On va l'attirer comme ça. On va dire, il faut rentrer. Notre constitution n'empêche pas quelqu'un de rester. Il faut rentrer. Quand il va rentrer, nous-mêmes, on va l'attraper. Lui-même, il le sait. Lui-même, là, il est au courant. C'est fini pour lui. Qu'il se rende. Et qu'il dise vraiment la vérité avant que le procès ne soit lancé. Parce qu'il sera tôt ou tard attrapé. Un jour, et je le dis toujours, un jour, Guillaume Soro va comparaître devant un tribunal criminel. Parce que c'est un criminel. C'est ce qu'il est. Il va comparaître. Et il sera condamné au prix le plus lourd qui puisse exister. Parce qu'ils ont fait des génocides. Je vais dire les mots. Je demande pardon à YouTube. Mais je suis un politicien. Et je fais la politique. Il y a des mots qu'on ne peut pas contourner. Même les synonymes de ces mots-là sont insuffisants pour exprimer la cruauté de cet homme politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme j'ai fait mon retour... Je fais mon retour encore avec cette vidéo parce que ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo. Guillaume Soro doit des comptes au peuple de Côte d'Ivoire. Tant que ce n'est pas réglé, il aura toujours quelqu'un qui va rappeler son histoire sombre et remplie de sang. Il aura toujours quelqu'un qui va rappeler ça. Il aura toujours quelqu'un. Si ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Il y a toujours un Ivoirien quelque part qui a envie de savoir la vérité. Il y a toujours quelqu'un qui veut que les acteurs de ces atrocités la payent. Et c'est lui qui était le patron, le chef des rebelles. Pourquoi c'est lui qui parle ici? Chérif Ousmane était encore vivant. Et il est toujours vivant. Kone Zakaria était là. Kone Zakaria est là. Tous les ministres là, ils étaient encore là. Ahmed Bakayoko était là. Sable Bleu était vivant. Ahmed Bakayoko était vivant. Sable Bleu était vivant. Amadou Gon Coulibaly était vivant. Amadou Soumaoro Di Simetia était vivant. Dramane lui-même était vivant. Tous ses collaborateurs étaient vivants. Afoussatou Bamba était vivante. Elle est vivante encore. Tous ceux-là, ils étaient encore là. Ils étaient là, en Côte d'Ivoire, dans le même groupe, dans le même hôtel. Pourquoi c'est Guillaume Soro qui parle? Quelques secondes, quelques jours ou quelques minutes après l'arrestation. C'était quelques minutes après l'arrestation de Gbagbo. Pourquoi c'est lui qui parle? Parce que c'est lui qui était le chef des gens qui tuaient sur le terrain. C'est pourquoi c'est sur lui qu'on commence. C'est la tête qu'il faut toujours viser d'abord. C'est la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Guillaume Soro doit venir pour citer ses complices pour que eux tous payent le prix le plus fort de ce qu'ils ont fait aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez jamais laver Guillaume Soro, c'est fini. Vous ne pourriez jamais le laver. Vous ne pourriez jamais le blanchir. Donne-moi un instant. Vous ne pourriez jamais le laver. Vous ne pourriez jamais le blanchir. C'est pas possible. Voilà. Merci.